Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tour de plaine et la récolte de l'ail et quelques petits pois qui sont montés à graines, qui sont mûrs. Et j'en profitais pour vous montrer en même temps mon interview chez Potager Production. Potager Production, c'est une chaîne d'amis jardiniers où j'avais fait partie au début et j'avais pas eu le temps de me pencher dessus avec le travail. L'an dernier c'était débordement et cette année j'en ai profité pour faire mon interview. Et si vous voulez découvrir mon interview et l'interview d'autres jardiniers, je vous mets en lien là en haut et en dessous le lien de la chaîne Potager Production. Et si des fois ça vous intéresse de faire une petite vidéo présenter votre jardin, je pense que Blandine, Silvio et l'équipe seraient contents de vous accueillir. Et je trouve que c'est sympa de partager. Vous allez voir, on est chaque jardinier, on a chacun notre vie. Je trouve ça simplement magnifique d'avoir pu se regrouper comme ça. C'est une idée merveilleuse. Sans plus tarder, on va voir un peu. Je vais vous montrer un peu la récolte et le potager d'été. On dirait pas hein, que ça a tombé 72 mm ici. La terre est là, surtout sous les... Regardez. Il y a quasiment plus de fraîcheur. Alors, pourquoi je récolte l'ail? En fait, ils annoncent des grosses chaleurs. En plus, vous voyez, au sol, il s'est tout cassé. Là, il est en train de faire sa rupture. On arrive en plus bientôt à la Saint-Jean. Bon, c'est dans 5 jours, mais vu les chaleurs qu'ils annoncent, moi, je préfère anticiper là, et finir de sécher les fans. Voici rendu au deuxième jardin. Alors la plate-bande de dahlia est en train de fleurir. Là, vous voyez, il y a les jaunes. Après il y aura des cactus qui arrivent, mais c'est pas tout de suite. Bon, il y a des scaroles qui sont en train de naître là suite aux 72 mm. J'ai débroussaillé. Ah ouais, c'est du chien dans ça. Alors là, ce coin, j'ai rien voulu mettre. J'ai mis les trombolinos. Vous savez, ça vient assez grand. Là, j'ai laissé des bêtes monter à graines. Je crois que c'est la troisième année là. Elles avaient déjà monté à graines, ou alors c'est des pieds à côté qui ont monté à graines. Et la chance que j'avais oublié d'en semer, enfin où j'avais pas pris le temps. Il y en a qui avaient égrené. Et là je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Bon là c'est naissant. Il y a des salades. Là on est en train de faire un grand nettoyage parce que depuis que ça pleut, là j'avais planté une rangée de cosmos. Des bleuets. Le lavater, lui, je crois qu'il a repoussé de l'an dernier. Là, pourquoi elles sont plus basses par rapport à celle-là? Bon, là, je vous mettrai une photo, mais elles sont fermées, là. Escarole, cornet et d'Anjou. Celle-là, on avait passé la faucille. Parce qu'il y en avait environ 400 salades, là, qui couvraient tout ce coin, là. Mais je voulais mettre des haricots, j'avais pas eu le temps de préparer le terrain. On a passé la faucille. Et là, ce que j'ai fait, j'avais passé la grelinette dans le début avril, ouais. Et j'ai semé il y a une bonne semaine
une semaine et demie, ouais, les haricots verts. Ceux-là, ils ont bien réussi. Par contre, vous voyez, là, il y a de la marche. La marche, en fait, c'est la bave des limaces. On a été obligé de mettre quelques bonbons bleus pour qu'elles aillent pas dessus. Après, là, j'ai fait un gros mélange. Je vais essayer de vous montrer. Là, j'ai mis 4 tomates que je savais plus où mettre. Ah ouais, là, il y a les jolies zinnias qui arrivent. Ça va faire des belles fleurs, du lin jaune. Alors, j'ai fait une milpa. Je l'ai fait différemment de l'an dernier. Bon, j'ai toujours espacé. Là, il y a un trombolino, un autre de l'autre côté. Là, les haricots verts de Jaco et Lily qui sont partis à monter bien. Les nouvelles des patates. Les patates de semis. Elles vont pas trop mal. Par contre, il va falloir que je refasse une bouillie bordelaise. Tournesol. Ça, c'est le tournesol de David. Ce genre parfait du géant cette année. David et Linda. Les jolis tournesols qui vous montent sur Instagram. Là, on voit un peu mieux la milpa. Bon, ça, là, il faudra que je gratte ça, là. Je sais pas si vous en avez chez vous, là. Mais ça, c'est une vérole parce que c'est des petits bulbes. Je sais pas si je... Ah ouais, voilà. Les oxalis, regardez. Il y a un bulbe et ça fait plein de petits bulbes. Alors ici, il n'y a pas de système d'arrosage. Alors on met les bouteilles. C'est plus facile après à retrouver le pied. Vous verrez plus tard. Là, j'ai fait un petit test. J'ai mis des zinnias, des fleurs avec le maïs. Là, j'ai fait une rangée de maïs. Une rangée de maïs, d'autres haricots, là. Cette année, je l'ai fait monter en tipi. Je vais peut-être semer, là, maintenant qu'ils arrivent assez haut, les maïs. Là, les maïs, ils font 25 cm de haut. Je vais peut-être mettre quelques graines au pied. Mais j'attendais, parce que... Pour vous montrer, hein. Le haricot, il fait déjà... J'avais semé deux semaines, enfin non, une semaine après le maïs, il est déjà à 1 mètre. Alors ça aurait pas été comme tuteur. Faut tout le temps décaler. Là, les salades, c'est pareil. La différence qu'elles ont, là par contre, elles ont chopé de la maladie, je sais pas ce que c'est, avec l'eau. Celle-là, pareil, elles ont été coupées à la faucille. Parce qu'il y avait plein de cagouilles, mais à manger pour les salades. Vous voyez, elles ont pas mangé les salades. Il y en avait une trentaine de cagouilles, on les a ramassées ouais, au mois d'avril. Et là, bah vous remontrez. Là, les grosses limaces et les carottes qui sont semées. C'est pour ça qu'on a mis des bonbons bleus. Parce que je m'étais fait un peu avoir ici, là. Et encore, il n'y a pas beaucoup de trous. Mais là où il y a les trous... C'est les limaces. Et celle-là, se met assez éclaircie pour pas avoir besoin de les désépaissir. Avec mon petit semoir, comme je vous avais montré dans le tuto il y a 2 ans de semis de carottes. Les betteraves semis direct, elles sont pas mal. Il n'y a pas une mouche. Alors des nouvelles des haricots avec les mouches, bah, vous voyez, là j'ai pas encore ressemé, et là vous allez voir, ici j'ai ressemé, là c'était les rescapés qui commencent à fleurir en haricots, et ceux-là que j'avais ressemé 2 semaines après, ils ont pas eu la mouche, donc ce que j'en conclus, aurait fallu que je gratte 3 fois pour pas avoir les œufs de mouche, dans les haricots et se met à une période où ça faisait chaud, fin avril c'était trop tôt. Là, des variétés de tomates, là c'est des russes, je sais plus lesquelles, une des deux que David m'avait donné en graines. Là, les mirabelles blanches, vous vous souvenez, celles que je vous avais montré
le moment où je plantais les grosses tomates, c'était celle-là. Et la petite, c'était celle-là. Vous voyez, elle a bien poussé, la russe. Et là, les petites mirabelles blanches, là, c'est comme des tomates cerises. Après, je vais essayer les aubergines. C'est toujours les mêmes. D'année en année, je vais les acheter. J'en ai acheté 4, ça va très bien. Ça fait des jolis plants. Il n'y a pas l'air. Bon, moi, je vais l'arracher avec un croc. Ah, là, c'est un plus gros calibre. Ah, bah oui, je sais pourquoi. C'est toujours l'histoire de mes pifs. Cette année, j'en aurai sûrement un peu. Ouais, ils sont plus jolis là. Après, les petits pois. Quand vous faites ce bruit là, si vous êtes vraiment pas sûr, le grain doit être dur. Et là, vous entendez, ça fait le grelot. Bon, là, je n'en avais pas laissé beaucoup. Mais j'ai récupéré la graine. Toujours l'histoire de mes échalotes. Et les échalotes que j'ai achetées. C'est minable. Mais bon, ça a été planté tard. Bon, les patates, j'en ai pas encore ramassées. Pourtant, il y en a qui sont défanées. Mais j'ai du stock de l'an dernier. On avait eu une belle récolte l'an dernier. Et j'en ai encore pour un mois à manger. Je vous reprends tout à l'heure pour faire le petit bilan là de l'ail, mais ça va pas. Ce sera une petite récolte pour un semis du mois de janvier.